après, il y a plus de Le pays a vécu sa première nuit de couvre-feu. Des contrôles se sont déroulés dans les quatre coins du territoire. Nous allons le découvrir dans ce JT. Voici les titres qui vont être développés. Le couvre-feu en vigueur dans le pays depuis hier à Nouméa a connu, comme partout ailleurs, les forces de l'ordre ont veillé au respect des consignes. Nous verrons le bilan de la zone police nationale. Un reportage au cœur d'un contrôle vous attend en début d'émission. Une unité Covid-19 effective à Koné. Les trois premiers patients ont été affectés à cette unité. Aujourd'hui, à partir de maintenant, les personnes atteintes de la Covid-19 ne seront plus systématiquement évasanées à Nouméa. Ne manquez pas le reportage exclusif sur l'ouverture de cette unité. Cinq cas positifs à l'usine du Cognobo-Nickel, une détection rendue possible grâce au protocole sanitaire installé à l'entrée de l'usine. Qu'en est-il de la vaccination sur les sites? Pourrait-elle devenir obligatoire? Nous allons le découvrir ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre JT. 241, c'est le nombre de véhicules contrôlés. 17 amendes ont été rédigées pour non-respect du couvre-feu. C'est le bilan présenté par la police nationale. Regardez maintenant ces images. La police nationale s'est positionnée de manière dans les différents endroits du pays, de manière à ce que la zone soit bien quadrillée. Pour rappel, la première amende s'élève à 15 000 francs. Et à Koné, ce sont les gendarmes qui ont occupé le terrain. Une équipe était positionnée au centre du village et visiblement, la consigne a été respectée. Un reportage de Prosper Poigou, Mathieu Le Barbier et Ismaël Wakaseou. Alors, attestation et pièce d'identité. Tu viens d'où comme ça? J'ai rien du tout. Ah, bah écoute, comme tu n'es pas en mesure de me fournir les papiers, nous, les consignes qu'on a, c'est de verbaliser les gens qui respectent pas le couvre-feu. Donc voilà, c'est une C4, donc c'est 15 000 francs. Vous savez comment on procède pour payer les timbres amendes, tout ça? Oui. Ok. Ben, voilà. Malgré le fait qu'il travaille de nuit, cet automobiliste n'a pas été en mesure de présenter un justificatif décerné par son employeur et écope d'une amende. Quelques minutes plus tard, d'autres véhicules sont interceptés par le dispositif de la gendarmerie. Marie-Elisabeth ne sera pas verbalisée ce soir, même si son déplacement ne revêt aucun caractère professionnel. C'est juste que là, sur la feuille d'attestation, il n'y a pas le motif pour aller chercher ma fille à son travail. Ce n'est pas mon déplacement professionnel, ce n'est pas mes cours, ce n'est pas mon heure de sortie pour la balade, etc. J'ai mis déplacement pour motif ma fille, puisqu'elle n'a pas le permis, il fallait bien aller la chercher après son travail. Personnellement, je pense que toutes les solutions sont bonnes pour que les personnes... fasse de plus en plus attention. Plus il y aura de restrictions, plus ça sera, je pense. Gare aux petits malins qui pensent passer à travers les mailles du filet. Même si ces opérations se font en plein cœur du village, le couvre-feu concerne également la circulation au niveau maritime et également dans les tribus. Alors, dans le domaine de la pêche en particulier, nous réalisons un partenariat avec les gardes nature de la province qui font des surveillances sur les zones du littoral et également sur les points de mise à l'eau, sur les zones de pêche. Et qui sont vigilants sur cette partie-là et qui nous avisent le cas échéant dès lors qu'il y a un manquement pour lequel nous aurions besoin d'intervenir. Pour ce qui est ensuite de la pratique de la pêche ou de la chasse en zone coutumière, donc, nous nous inscrivons dans un partenariat avec les coutumiers, d'une part pour s'assurer du respect des règles sanitaires à l'intérieur des tribus. Ce sont les coutumiers qui sont chargés du respect de ces mesures-là dans le cadre des recommandations, des échanges que nous pouvons avoir avec eux. Et s'il y avait des manquements, les coutumiers, le cas échéant, nous les dénonceraient de façon à ce que nous puissions verbaliser. Si le couvre-feu a été globalement respecté, la soirée s'étant soldée par une seule infraction, un automobiliste va faire preuve d'une certaine témérité. L'auteur de ces délits, qualifié en refus d'obtempérer, ne sera pas appréhendé cette nuit-là, mais il risque gros. En effet, une enquête est ouverte.
Le contrevenant risque une amende de 900 000 francs CFP, d'un an de prison et potentiellement de cumuler avec l'amende pour non-respect du confinement. Alors, est-ce que les Calédoniens, de manière générale, ont respecté le couvre-feu dans le pays qui a commencé hier soir? Voici la réponse du Haut Commissariat. Les multiples opérations de contrôle conduites sur l'ensemble du territoire ont permis de vérifier que la mesure du couvre-feu a été globalement bien respectée. Quelques verbalisations ont néanmoins été notifiées. Fin de citation, signé le directeur de cabinet Julien Payard. Et je rappelle que dans un peu plus de 2 heures, il ne faudra plus circuler à partir de 21h et jusqu'à demain 5h, 15 jours. C'est la durée du couvre-feu, comme l'a annoncé le haut-commissaire sur nos antennes hier soir. Et on reste à Koné, puisqu'aujourd'hui, comme je vous le disais en titre, l'unité Covid-19 du CHN a accueilli ses premiers patients. Ces derniers ne seront plus évacués systématiquement à Nouméa dans l'unité du Medipol qui risque d'être saturée si le nombre de cas continuait d'exploser. Regardez comment cette unité est constituée. C'est un reportage de notre équipe à Koné, Mathieu Le Barbier et Ismaël Wakaseo. Température 36,5. Fréquence respi 18. 100% de SAT. 3. C'est le nombre de patients qui ont été admis depuis la nuit dernière dans la nouvelle unité Covid du CHN. Les patients sont visités 3 fois par jour pour contrôler leur constante, pour pouvoir anticiper la dégradation de leur état de santé chez certains malades. 2 de ces patients qui ne présentent pas de signes graves du virus sont admis dans l'une des ailes du service hospitalisation chirurgie. Quant au 3e patient, il se trouve aux urgences dans la partie réservée aux patients graves en attente de transfert vers Nouméa. On a isolé une des ailes du service de chirurgie et pour interdire le passage, physiquement, on a installé cette bâche qui permet d'avoir aucune communication entre les deux ailes de l'unité de chirurgie. Les soignants sont des soignants dédiés qui travaillent uniquement à l'unité Covid afin de diminuer au maximum les interférences entre les autres services. Par la suite, les patients qui auront besoin de réanimation seront alors dirigés vers le CHT à Nouméa. Et actuellement, l'unité de Covid-19 au CHN dispose d'une capacité de pouvoir recevoir 12 clients. Cette capacité pourrait augmenter en fonction d'évolution sanitaire ici au pays. On parle des chiffres de 20 lits, toujours en fonction de l'effectif présent au CHN, nous précise le directeur de l'établissement, Joachim Tutugoro. On enchaîne avec le chiffre du jour. Regardez, 28,45% de la population a reçu un schéma vaccinal complet, ce qui signifie que 77 109 personnes ont reçu 2 doses depuis le 20 janvier 2021. Dépistage et isolé, ce sont les mots d'ordre du gouvernement calédonien. Aujourd'hui, l'exécutif a adopté un arrêté autorisant la réalisation des tests rapides d'orientation diagnostique, plus connus sous le nom de tests antigéniques. Alors, ils peuvent être réalisés en pharmacie et chez les professionnels libéraux. La pharmacie de Pono-et-Rouyn, en l'occurrence, aujourd'hui, a reçu ses paquets de tests. Je vous propose que l'on écoute Anne-Laure Alama, pharmacienne de Pono-et-Rouyn, au micro d'Aurélie Chiron. Il faut une blouse, une surblouse, un masque FFP2, des lunettes de protection. Ce matériel-là, pour l'instant, nous, on ne l'a pas encore commandé. Et on n'a pas l'intention pour l'instant de faire les tests à la pharmacie. Dans chaque boîte, en fait, il y a de quoi faire 25 tests. Nous, après, on va les distribuer au personnel soignant qui sont habilités à réaliser ces tests et qui ont envie et les moyens de le faire. Par ailleurs, sachez que les pharmaciens, médecins et infirmiers libéraux sont autorisés à vacciner la population contre la Covid-19, une décision qui a été arrêtée aujourd'hui en collégialité par le gouvernement. Depuis le début du confinement, certaines entreprises ont maintenu leurs activités à condition de garantir la sécurité de ses salariés. Respect des gestes barrières, port du masque et distanciation sociale. L'usine de Cognambeau-Nickel, elle va plus loin en mettant en place un dispositif permettant même d'identifier les cas confirmés à la Covid-19. D'ailleurs, hier, 5 cas ont été détectés grâce au SAS sanitaire, entre guillemets, du site. Le récit de Stéphanie Marlier et Anissa Toussy.
Comme Denise, personne n'y échappe. Prise de température obligatoire, déclaration journalière individuelle dans laquelle les salariés et les sous-traitants doivent répondre à 4 questions concernant leurs symptômes ou leur possible contact avec des personnes touchées par la Covid-19. Un dispositif sécurisant pour Denise. Bah, à vrai dire, il est très très bien. Les gens qui entrent et qui sortent ne se croisent pas. Après, je ne sais pas ce que KNS a mis en place, mais par rapport au dispositif à l'entrée pour éviter la propagation du virus, c'est très très bien. On se sent en sécurité. Pas de souci pour elle, les voyants sont tous au vert, elle peut donc rentrer sur le site. Dans le cas contraire, si une réponse est rouge, le personnel sera dirigé vers le poste 2 pour répondre à une autre série de questions. En fonction des réponses, soit il pourra rentrer sur le site, soit il devra faire des tests antigéniques. Les résultats de ces tests définiront la prise de poste ou non. On a pu tester un peu plus d'une trentaine de salariés depuis la mise à disposition des tests hier. Donc on a à peu près 5 cas positifs détectés. On a le médecin du travail de KNS qui est le contact privilégié de la DAS qui fait des rencontres quotidiennes avec la DAS qui les informe justement de l'évolution de la situation et notamment des informations sur les cas positifs détectés à l'entrée du site. La priorité de KNS avant tout est d'assurer la sécurité et la santé de son personnel tout en maintenant l'activité de ses installations. On a mis en place en fait du télétravail pour une bonne partie du personnel et on a les effectifs qui sont sur site, qui sont des personnels requis justement pour maintenir en fait la bonne continuité de nos activités. Depuis le début de la crise, près de 20% du personnel de Vavuto est vacciné, ce qui équivaut à 200 personnes. Aujourd'hui, avec la réglementation qui a évolué, on monte nos moyens, nos ressources justement pour augmenter ce taux de vaccination. Et l'objectif étant de pouvoir vacciner l'ensemble du personnel sur le site de Vavuto. Okay. Et s'il y a du personnel qui ne veut pas se faire vacciner, comment ça va se passer? Alors encore une fois, comme ça nous l'est imposé par la réglementation, ça sera un prérequis justement pour l'ensemble du personnel d'avoir au minimum cette vaccination de fait. Un centre d'appel interne à l'entreprise a été mis en place pour rechercher les cas contacts liés au personnel positif à la Covid-19. Alors, on l'a entendu dans le reportage, l'épineuse question de l'obligation vaccinale. La loi a été adoptée pour rappel au Congrès. L'ensemble des personnes majeures présentes au pays sont tenues de se faire vacciner au plus tard le 31 décembre. Au-delà de cette obligation générale, le Congrès a identifié des activités professionnelles pour lesquelles le non-respect de cette obligation pourra être sanctionné d'une amende administrative de 175 000 francs à compter du 31 octobre. Parmi les activités identifiées, regardez, on retrouve le personnel du transport maritime, aérien, les personnels médicaux, les médias, des associations, mais aussi les sociétés minières comme KNS, on vient de le voir à l'instant. Y aura-t-il des licenciements pour le non-respect de l'obligation vaccinale? Voici la réponse du porte-parole du gouvernement, c'était aujourd'hui Yannick Slamet qui répondait au micro de Michel Pimbé. Chez les salariés, à l'obligation vaccinale dans les entreprises, pour nous, il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de mesures coercitives et encore moins de licenciements qui ont été envisagés ou tout au moins demandés par le gouvernement. Voilà, si vous désirez connaître les différents points de vaccination dans toutes les communes partout dans le pays, rendez-vous sur le site de caledonia.nc. Un dossier vous a été préparé, il comprend toutes les informations pratiques des différents centres de vaccination. Un voyage spécial du Béticho pour rapatrier les ressortissants de l'IFU qui étaient bloqués à Nouméa depuis le début du confinement, c'est-à-dire lundi dernier. Une opération rendue possible grâce aux échanges entre la mairie, le gouvernement et la province des îles. On écoute les conditions pour monter à bord du Béticho avec Neko Nepeon, l'adjointe du maire de l'IFU, au micro de Faustine Lefranc. On exige quand même que les gens passent des tests antigéniques avant d'embarquer, négatif avant d'embarquer dans le bateau. Il y a déjà des personnes qui avaient déjà pris des billets, dans un sens comme dans l'autre. Donc l'idée, d'abord, on a interrogé la Sud-Île qui est opératrice de l'opération pour savoir combien de personnes avaient déjà pris leur billet pour venir. C'est en cours de vérification. En tout état de cause, il y a juste 180 places puisqu'il faut mettre, pour des raisons de distanciation sanitaire, il faut
il faut la moitié de la capacité du bateau. Les passagers paieront leur tarif normal. Le bateau va être opéré à la moitié de ses capacités. Il y aura un surcoût et la commune prendra le surcoût. Souvenez-vous, vendredi soir, dans votre JT, nous avions été touchés par les témoignages de cet étudiant, Alifou. Originaire de Marée, ils sont bloqués sur l'île de Djéhou depuis l'annonce du confinement. Des vols de rapatriement ont été organisés pour que les habitants rejoignent Lifou ou Véa, mais pas pour Marée. Le grand chef Sinewami a interdit tout départ de personnes d'avion de l'île de Ningoné. Nous sommes avec lui ce soir pour l'entendre sur sa position d'interdire tout départ et arrivée d'avion concernant les passagers à l'aérodrome de La Roche à Marée. Grand chef Sinewami, bonsoir. Bonjour, Jamy. Bonjour, grand chef. Alors, je le rappelle que vous êtes le grand chef du district de La Roche, l'endroit où se trouve l'aérodrome de Marée. Vous maintenez toujours votre position sur la fermeture concernant les passagers de l'aérodrome de La Roche? Oui, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de. On ne fait pas de. Pour imposer un pouvoir. Non, c'est pas ça. C'est par rapport surtout. Au cas qui a été détecté sur l'IFU et qui a été amené ici par via le Bétito. Donc, du coup, ça c'était lundi, et lundi 6. Donc, on a tout fermé du coup dans la journée, mais on a permis quand même les vols jusqu'à lundi soir. Donc, mardi, tout est fermé pour les passagers en partance de Ningoné puis en partance aussi de Nouméa pour venir sur Ningoné. Donc, alors là, c'est la position qu'on a prise ici à la chefferie. Et ensuite, par rapport à ces cas, tout ça, là, le confinement strict a été décrété. Donc on suit les consignes. Hein. Donc confinement strict, ça veut dire on réduit la circulation, tout ça, là, pour pouvoir détruire en tout cas la chaîne de transmission. Quoi. Vous comprenez que certaines personnes, notamment les lycéens qui sont bloqués à Marée ou certains touristes qui sont eux aussi bloqués à Marée s'interrogent sur le fait qu'à Alifou, il y a des vols de rapatriement en partance et en arrivée qui sont organisés pour leur permettre de regagner leur domicile. Est-ce que vous comprenez ce sentiment-là d'amertume et voire même d'injustice qu'ils peuvent ressentir du fait qu'ils aient choisi Marée pour passer le week-end, par exemple ? Je comprends tout à fait les réactions de chacun. Après, chacun aussi voit, engage aussi sa responsabilité hein, dans ces situations-là. Donc moi, je ne peux pas envoyer des gens de Ningoné sur Nouméa, en sachant que la maladie circule sur Nouméa et sur Ningoné aussi. Donc voilà, c'est toute cette réflexion qui a été menée. Et puis on a posé aussi cette réflexion au niveau de la cellule de crise, en tout cas avec la mairie, la province et puis les personnels de santé, la sécurité civile et puis la gendarmerie. Donc voilà, c'est un peu la position que j'ai posée et que l'ensemble aussi a pris comme décision. 54 lycéens, comme je le disais, grand chef Hippolyte Sinewami Tamoumou, 54 lycéens originaires de Marée sont bloqués à Lifou et un certain nombre de personnes et de touristes sont isolés à Marée. Ils souhaitent rentrer à Nouméa en ce qui concerne ces touristes-là. Alors, ils nous ont sollicité par l'intermédiaire des réseaux sociaux et notamment sur Facebook. Ils nous ont sollicité pour vous dire qu'ils souhaitent rentrer chez eux. Donc, peut-être que vous venez d'y répondre un peu en substance sur la question que je vais se poser, mais que je vais vous poser, mais je suis obligé de la relayer. Qu'est-ce que vous leur dites ? Ben, on est toujours dans le confinement strict. Donc, discuter aussi à la chefferie comme à la cellule de crise. On fait passer les deux semaines de confinement strict. Si le confinement strict vient à se prolonger, donc, ce qui est le cas normalement, hein, donc on a déjà averti les cellules de gouvernement, tout ça, transport, pour que le protocole qui a été mis en place au deuxième confinement, là, donc les tests PCR 3 jours avant, et puis la prise de température avant l'embarquement. Donc soit faite. Et puis à partir de là, ben on peut
on peut provoquer ces départs de Maré ou de Nouméa, en tout cas avec ce protocole. Donc voilà, c'est de, aussi d'être patient, et puis tout le monde aussi, tout le monde subit un peu cette situation. Mmh. Donc je suis conscient de ce malaise, de cette injustice, tout ça là. Et comme je dis encore une fois, c'est des responsabilités qu'on prend. Et comme je disais hier à Djidou, là, c'est que la responsabilité aussi nous incombe quand on envoie les familles là-bas sur Nouméa et puis que la direction opérationnelle nous dit qu'arrivés sur Nouméa, eh ben, ils seront ventilés chez eux, quoi. Donc c'est ça aussi la responsabilité qu'on prend. Est-ce qu'on va aller contaminer nos familles chez nous, dans nos foyers, tout ça? Donc c'est tout ça dont on discute. Grand chef Hippolyte Sinewami Tamoumou, grand chef du district de La Roche, merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, tu vois, Jamy. Merci pour toutes ces précisions, grand chef. Et prenons soin de vous sur place à Négoné. D'accord. Allez, on reste aux îles. Alifou est partant à la rencontre des jeunes de la tribu de Juanuno, une tribu qui est située au centre de l'île, dans le district de Gaïcha. Ils préparent actuellement leur chant. Alors jusqu'ici, tout va bien. Problème, en confinement, c'est une heure de sortie qui est autorisée. Reportage d'Aruna Ilolo. Maxime en rouge, Maurice en polo violet et leurs trois cousins ont choisi de passer une partie de leur confinement au champ. Une manière d'avancer les travaux, mais c'est également un prétexte pour sortir un peu de la maison. Ben voilà, comme vous voyez, tous les jours, on vient pour passer notre temps au champ, juste pour voilà, oublier le confinement. Voilà. Enfin, on pense au confinement, mais pour éviter de rester à la maison, donc on vient passer nos journées au champ. Profiter pour faire avancer les champs, terminer les champs, ceux qui ont déjà commencé. Même dans le champ de Maxime, les consignes doivent être respectées comme le port du masque. On essaye quand même de respecter la distance qu'on nous a donnée sur les 1 mètre ou 2 mètres de distanciation sociale, même si on discute, mais voilà, on essaie de respecter les gestes barrières qu'on nous a donné. Si la loi stipule qu'il est permis de sortir dans la limite d'une heure maximum et dans un rayon d'un kilomètre de son domicile, de par la distance des champs, c'est quasi impossible de la respecter à la lettre. Moi, je suis sur Oué et mon champ se trouve à Naman. On est déjà un quart d'heure de Oué pour venir à Naman. Et puis, les 45 minutes qui restent, le temps qu'on commence à s'installer pour travailler, ben, je crois qu'on n'a pas trop le temps de... C'est, pour moi, une heure, ce n'est pas suffisant pour travailler le champ. Comme pour Maxime et les siens, les gens de l'IFU doivent concilier confinement et travaux des champs pour espérer récolter des ignames l'année prochaine. Pas facile pour les gendarmes de quadriller les grands espaces en tribu dans le nord et dans les îles. Retour à Nouméa, alors le confinement, comment est-il vécu par la population, notamment en situation de précarité? On va le voir, avoir de l'eau est un parcours du combattant pour certains. Je propose cette immersion signée Audrey Pouedi. Ce point d'eau sert à alimenter des dizaines de familles résidant aux alentours. Chacun vient s'approvisionner ici à l'aide de bidons. Si cela fait partie du quotidien de ces familles, le confinement le complique. Port du masque, attestation de sortie, déplacement bref d'une heure à moins d'un kilomètre, autant dire que cela est impossible pour bon nombre de résidents de ce squat. C'est hors caméra que l'on nous explique les difficultés qui s'ajoutent au quotidien en raison du confinement. Manque d'eau, de denrées alimentaires, de masques, de gel, de savon, de médicaments, de premiers soins ou encore aucun accès à Internet pour la continuité pédagogique, la liste est longue. Pour aider les résidents des squats, travailleurs sociaux et bénévoles font régulièrement des tournées pour recenser les besoins et distribuer des produits. Donc on est venu ici pour vous demander, pour venir recenser les personnes qui n'ont pas les moyens de pouvoir se déplacer et pouvoir assurer la continuité pédagogique de nos enfants pendant cette période de confinement. Cette association s'est créée dès le premier confinement. Depuis, elle a continué sa mission d'accompagnement. Au total, ce sont 2000 familles accompagnées dans la cinquantaine de squats que compte l'agglomération de Nouméa et du Grand Nouméa. Aujourd'hui, avec ce troisième confinement, la demande ne fait qu'augmenter. Il n'y a pas que dans les squats,
Même chez, dans les maisons des particuliers, ils font leur demande aussi. La demande s'étend dans les quartiers maintenant. Beaucoup de gens de quartier nous appellent maintenant pour avoir des denrées alimentaires. C'est le premier confinement, ça allait. C'était la troisième, quatrième semaine. Deuxième confinement, ça allait un peu encore. Mais là, le troisième confinement, c'était la première semaine déjà que tout le monde nous appelait. Voilà, il y a des personnes qui ont des emplois. Certains qui ont perdu leur emploi depuis le premier confinement. Là, on nous appelle encore ce matin. On m'a appelé pour des denrées alimentaires dans les quartiers. Et ça devient de pire en pire. Selon la dernière enquête de l'ISEE sur le budget des familles, près de 50 000 personnes vivaient sous le seuil de pauvreté en 2019. Un chiffre qui devrait augmenter à l'issue de cette crise sanitaire. Allez, on termine tout de même ce journal avec une bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle nous vient de la météo dans le nord du pays. Les habitants ont pu sentir quelques gouttes de pluie tomber aujourd'hui qui peuvent sembler anodines, pas pour tout le monde, pas pour tout le monde et notamment pour les pompiers. Le plan hors sec à Poum a été levé aujourd'hui. L'incendie qui s'est déclenché lundi a été maîtrisé. Bilan, 2000 hectares de végétation brûlés. Une information qui nous permet d'enchaîner avec le feuilleton de la semaine. Notre journaliste Aurélie Chiron a passé 24 heures aux côtés des pompiers de la caserne de Ponériouin. Reportage au cœur d'un incendie dans la tribu de Tiercon. C'est reparti pour les feux. Le 4x4 retourne sur Monéo et le camion, lui, se dirige vers Tiercon. Un nouvel incendie se propage dans une plaine. David et sa coéquipière interviennent afin de protéger les habitations aux alentours. C'est quoi la difficulté ici? C'est juste pour le vent. C'est pour ça que je suis rentré directement face au vent, pour pouvoir passer derrière, pour pouvoir éteindre en sécurité. Là, on va retirer sur la grande route pour en éteindre la tête du feu. Pour bien faire une reconnaissance par rapport aux autres maisons qui sont basses, qui ne sont pas impactées. Il est 17h et les interventions vont se poursuivre jusqu'à la tombée de la nuit. Pendant que les pompiers sont sur le front, Annie-Claude garde la boutique. Non, elle a une intervention. Elle est stationnaire et a pour rôle de faire partir en intervention les véhicules de la caserne, de noter leurs horaires et leurs transmissions radio. Une fonction nécessaire mais parfois frustrante du fait de ne pas pouvoir participer aux interventions. Du coup, moi je prends les appels et je marque, mais c'est une trace de notre journée. Il est près de 21h quand l'ensemble des équipes rentrent à la caserne. Déchargement du matériel, reconditionnement des réserves d'eau et lavage de mains avant d'entrer dans les locaux. Désinfecter, bien sûr, désinfecter surtout. Les sapeurs-pompiers rentrent épuisés. Ils sont intervenus sur 6 incendies sur 8 déclarés dans la journée. On n'a jamais eu autant de feux comme ça dans la journée. Hein. C'est de l'inconscience. Hein. La plupart, c'est de l'inconscience. Hein. On n'a pas fait exprès. Voilà. Des gestes irresponsables qui ont fait disparaître plus de 200 hectares de végétation en une journée. Une catastrophe pour la commune de Ponériouin qui brûle depuis 2 mois. Il faut que les gens ils disent que nous, on se met aussi en danger quand on va sur les interventions de feu, surtout ça. Nous, on a des familles par derrière. Il faut qu'ils comprennent que nous, là, on n'est pas des super-héros. On essaie de faire au mieux pour leur protection et aussi pour nous aussi. Ici, c'est la chambre des filles. Et puis là, c'est la chambre des garçons. Puis comme là, ce soir, c'est mon équipe. Ben, je suis la seule fille, moi je dors toute seule et puis là les garçons ils sont ce soir. Vous arrivez à respecter la distanciation malgré que les locaux soient petits? Oui, on arrive. Même si on est beaucoup ou pas beaucoup, des fois on arrive à faire les gestes barrières. Avec des locaux aussi petits, un roulement pour manger est mis en place pour respecter les règles sanitaires. Ouais. C'est dur de ne pas manger avec tout le monde? Oui. Il est presque minuit, le temps d'aller se reposer car tout peut arriver dans la soirée. La nuit sera-t-elle calme ou mouvementée? Réponse demain soir. Effectivement, nous retrouverons Aurélie Chiron et les sapeurs-pompiers de la caserne de Ponériouin demain pour la suite de votre feuilleton. On referme, on termine ce journal avec les chiffres, le dernier bilan sanitaire du pays qui a été dévoilé aujourd'hui par le gouvernement. 1348 cas confirmés depuis la semaine dernière, depuis le 18 mars plutôt.
62 nouveaux cas en 24 heures. À titre de comparaison, ce chiffre hier était de 329. Toujours 18 personnes en réanimation. 4, c'est le nombre de décès que l'on a connu depuis le début de cette crise. Merci à tous de nous avoir suivis. Continuons plutôt à respecter les gestes barrières, le confinement et le couvre-feu à partir de 21h. Prochain rendez-vous, c'est demain à 14h pour le point presse du gouvernement. Bonne soirée et prenez soin de vous.